go off the rails. Don't you know it's time to raise our sails? It's freedom like you never knew. Coming back or a pass, in a word, I'll be there in a flash. You could say my hat is off to you. Bonsoir à tous les écouteurs. C'est moi. Ouais, là, il y a une autre musique qui s'est lancée, c'était pas prévu. C'était pas grave. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Ça va. J'espère que vous allez bien. Ça fait deux fois que je demande. Mais c'est parce que j'espère vraiment que vous allez bien. Du coup, ce soir, pour commencer la semaine, on va se faire un petit peu de Rayman Origins. Rayman Origins, si ce n'est pas l'avant-dernier live, voire peut-être même le dernier, mais ça m'étonnerait. C'est l'avant-avant-dernier, je pense qu'il nous reste 3 lives maximum. Et je pense qu'on les fera cette semaine, enfin on les fera probablement cette semaine. Je suis pas sûr à 100%, donc ça reste à voir. Parce que Rayman Origins, mine de rien, on n'est pas loin de la fin. Là, je pense essayer d'aller jusqu'au prochain boss. Et normalement, après, il nous restera qu'un gros monde à faire avec tous les niveaux, boss et tout, et on se le réserverait pour la prochaine fois. Mais il y a aussi
l'espèce de mec habillé comme la mort avec une faux qui réclame ses dents là. Je sais pas ce qui. Je ne sais pas ce qu'il déverrouille. Est-ce qu'il va déverrouiller des mondes bonus ou quoi? C'est pour ça que je dis peut-être 3 lives. En vrai, peut-être plus, hein. Mais j'imagine qu'il nous reste 3 lives, en gros. On va voir ça. Du coup, bah, on va se lancer, hein. C'est parti, let's go. Et je sais pas ce qu'on fera après. J'hésite entre Evil Genius et puis Disney Dreamlight Valley parce que. Je sais pas, on verra. Ce Disney Dreamlight Valley, la dernière fois je disais que c'était pas ouf, mais en fait c'est pas que c'est pas ouf, c'est que c'est, je trouve que c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus passionnant à streamer. Mais c'est tellement posé, enfin t'as besoin de réfléchir. En vrai j'aime bien. Mais je sais pas, on verra. De toute façon, du Evil Genius, il y en aura cette semaine, hein, c'est sûr, mais à voir. Ouais, ça marche pas aussi bien que ce que je pensais. Non, du coup, on a le contre-la-montre à faire. Je crois qu'on a que ça, hein, je suis pas sûr. Attendez, je vais juste revoir si il nous manque des looms ou pas. S'il y a que le contre-la-montre, ah, c'est bien, hein, mais. Ouais, si c'est ça, il y a que le contre-la-montre. Ok. Pardon. Allez, let's go. 1 minute 6. Ça risque d'être tendu en vrai, hein, parce qu'il y a plein de pièges à la con sur ce niveau. Et voilà. Par exemple, hein. Ok. Ça sur le chemin, ça aurait été con de pas le prendre. Surtout qu'à mon avis, je vais en avoir besoin. Allez, allez, go, go, go. Ça va. Tranquille. Et merde. Comment ça? C'est déjà... Ah putain, la fin elle est là. Faut que j'aille 2 secondes plus vite. Enfin... Plus de 2 secondes mais ok. Ah la fin elle est si proche que ça? Je me rappelais pas. Ou alors il y avait peut-être d'autres choses et... Et j'ai oublié quoi mais... Enfin, le niveau se finit pas à la fin, mais... Merde. Bon, bref. Let's go. Eh, merde. Bah il y en a un plus loin du coup, on le sait, mais... Eh bah non. Mais il est pas infaisable du tout, hein, vraiment. Enfin, il est pas aussi chiant que certains, du moins. Jusqu'ici, on n'a rien eu d'infaisable. La preuve, on a tout fait. Allez. Putain, je pensais avoir gagné du temps, et finalement... Il a ralenti sur la fin et j'ai perdu 1 seconde par rapport à d'habitude.
Allez, roule, roule, roule. Enfin, nage, nage, nage. La fin, elle est au bout de ça, je crois. Allez. Allez, Ray. Yes. C'est good. Ah non, il me manque une cage, merde. Bah au moins, ça c'est fait, j'ai envie de vous dire. Putain, j'avais pas vu qu'il me manquait une cage. Bah, à la recherche de la cage. On peut réellement prendre notre temps, hein. Les looms, d'ailleurs, c'est pas important, je sais pas pourquoi je me fichais à les ramasser. Faut juste que je trouve cette cage. Là non. Là y'a quoi? Y'a un connard. Ça a pas l'air d'être ici. Il doit être là. Ah non, même pas. Bah, pas par là, visiblement. Mais bah, je sais pas où, du coup. Plus haut, là. Alors j'ai fait tout le bas, on va faire tout le haut. Alors je sais pas si c'est celle-ci, hein, puisqu'il y en a une que j'ai trouvée. Ça doit être celle-ci, j'ai pas le souvenir d'avoir fait un New White Mosquito. Ouais, je pense réellement que c'est ça. Ouais, on est bon. Allez, hop, non. Bon, du coup... Ouais, il me semblait bien que ça se finissait pas à la fin du niveau. Hein. Le contre-la-montre. Ah merde, quel con, en plein dessus. Là, ça doit être la fin, je pense. Même pas. Putain, il était si long que ça. Ils l'ont arrêté vachement tôt, le contre-la-montre, hein, du coup. Hein. Merde. Bon, faut pas chier au cas où. Merde, il faut pas passer en bas, c'est un piège. Enfin, c'est un bonus, mais on s'en fout.
On a déjà tout ce qu'il faut, on va pas... Oui, c'est ça. Merde. Ah putain, pour moi, je pouvais passer entre les deux. Ah, ça va, on reprend là. Tu en as quand même. Voilà, c'est bon. On est good. Océano Mosquito. Ah, donc ici j'imagine qu'il va y avoir que un nombre de looms à ramasser. Mais on est bien quoi. Et ça. Il peut aller dans l'eau. Ok, je voulais savoir. Bah, il doit même aller dans l'eau. Merde, j'ai loupé plein de trucs, c'est pas grave. Allez mon grand, tu peux le faire. Je crois que j'ai encore loupé un truc, mais... Bon. On va espérer que ça suffira. Ok, bon, ça se passe plutôt bien pour le moment, hein. Malgré 2-3 choses que j'ai un peu foirées. Je sais plus c'est combien qu'il faut de looms à chaque fois dans les niveaux avec Mosquito. Merde. Et merde. Si c'est 250, on est bon. Si c'est 350, on n'est pas bon, hein, forcément. Le problème, c'est que je sais plus. Je crois que c'est 250, hein. Si c'est ça, bah on est plus que bon, quoi. Quelque chose en bas. Ah bah vas-y. Voilà. Non, y'a rien du tout. C'était pas le plus dur hein. Franchement, bah la preuve hein, j'ai passé du premier coup.
Mosquito, j'ai vu plus galère avec. Hein. Enfin, c'est 350, fais chier. Évidemment, là, je l'ai passé du premier coup, mais je vais le réessayer. Et là, je vais pas passer du premier coup, je vais galérer comme un con, c'est sûr. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Non, je pense pas. De toute façon, il n'y a jamais rien à ramasser avant de monter sur lui, là. Voilà. Ah merde! Je suis pas sûr, je crois que j'ai encore loupé 2-3 trucs qui auraient pu me faire plaisir. Merde, j'ai loupé un poiscaï. Ah, j'ai loupé plein de trucs. Ah, j'ai loupé beaucoup de trucs là. À mon avis, c'est mort. Oh, ouais, non, je fais nimp. Je fais nimp en plus. On va voir jusqu'où ça mène, mais. Je le sens pas. Ok, pourquoi pas. Ah, il m'en manque une centaine, je suis réellement pas sûr de les avoir les 100. Je pense pas, on va voir. J'en loupe plein. Ok, on est bon. Incroyable. Ah, des fois, j'y crois pas, mais... Faut quand même aller jusqu'au bout, hein. Pour les bébés, hein, c'est du beau. J'ai déjà plus galéré sur Adibo. Il va peut-être y avoir le coffre. Oui, c'est ça. Et après ça, il n'y aura plus qu'un seul niveau avec un coffre à poursuivre. Ouais, oh la vache. Putain. Ah ouais, c'est... Bah je le maintiens hein, pour sprinter, t'inquiète pas, mais... C'est pas ce qui me dérange le plus. Vache. Ouais, faut... Faut être doux. Ouais, non, mais là, par contre...
Très bien. Fuck. Ouais, mais non, ça marche pas. Ah, je suis en bas, j'arrive, je pourrais revenir d'en bas quand je me casse mon gueule. On va voir ça. Ou pas. Ah, putain. Bah, descends, connard! Il est marrant. Non, c'était très mal engagé dès le début, ça. Ah, les bâtards. J'étais sur une bonne lancée, là. Alors ça, je peux revenir, là, c'est ça? Bah non, je meurs, ok. D'ailleurs, j'ai cru, c'est parce qu'à mon avis, j'ai gonflé et le scrolling m'a fait revenir à droite. Autant le niveau juste avant, il était simple, autant celui-là. Je pense que je vais y rester un petit moment. Ouais. Fort probable. Hein. Deux fois que je me fais baiser là. Allez. C'est chaud. Ah! J'ai pas ce saut là. Celui-là non plus apparemment. On va y arriver. Hein. La mort lente. Allez, mon grand. Hop. Allez, vas-y. Fais-moi arriver. Et non. À chaque fois, hein. J'arrive pas à doser ce saut. Mais descends. Ça, c'est la contre-performance par rapport au niveau d'avant.
Oh putain, on est sûr que ça m'arrive jamais. Ma capture est un peu ralenti par rapport à... C'est peut-être moi, hein, mais... Alors, attendez deux secondes. Si je fais ça, ça m'a l'air un peu mieux. Mais sous de ma gueule. Allez, bon. Hein. Allez, bon. Hein. Bon, bah, trace, mon grand. Pas trop de risque. Ah, j'ai voulu tenter, mais non, ça ne passe pas non plus, hein. Je préfère ralentir un peu et éviter la connerie que j'ai fait 2-3 fois d'affilée, parce que... J'arrive pas ici, c'est un truc de fou, je comprends pas ce saut. J'arrive pas à le doser. Ah voilà. Bon, il faudra peut-être le refaire, hein, mais... Eh non ! Putain. Bon, j'ai l'impression d'avoir compris quand même le saut sur lequel je galère depuis tout à l'heure. Mais si c'est pour faire ça, c'est pas la peine. Et merde. Non. C'est de pire en pire. Allez.
Ah. C'est incroyable, hein. Pourtant j'ai l'impression d'avoir dosé pareil, hein. Il faut appuyer à peine sur le bouton de saut, mais... Il est vicieux ce niveau, hein. Même sur la fin, là où tu dois nager et éviter les pics, putain. C'est pas si simple, hein. Putain, mais, hé. Je le sais en plus, hein, qu'il arrive et pourtant... Allez, cette fois c'est la bonne. Cette fois c'est la bonne. Ouais. Bon. Cette fois, c'est la bonne. J'ai pas compris. C'est le même endroit que tout à l'heure quand j'étais arrivé à ce passage-là en plus, hein. J'essaye de pas aller trop vite, mais il y a aussi les poissons qui sont à mon cul qui veulent me le bouffer. C'est fou, hein. Je
suis un peu en retard, mais j'ai rattrapé 2-3 conneries, donc... Voilà, c'est bon. Ah non! Oh, mais on reprend de faire loin en plus! Parce que ça reprend depuis. Voilà! Oh putain, quel enfer! Putain, mais. Stop! C'est dur! Vache! J'appuie à peine, hein, c'est ça qui m'énerve. Puis je me dis que foirer là, sachant que c'est loin d'être fini derrière en plus. Ouh. Pas prêt de finir ce niveau. Ok, ça va. Salut Aqua Girl, comment tu vas? Je suis désolé, hein, je suis concentré. Pour l'instant, je regarde pas trop le chat. Je vous réponds juste après s'il y a des messages. Ah oui! Pardon! Ouf. Bonsoir à tous. Merci pour le follow hétéro, Aqua Girl, pardon, merci beaucoup. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir Ninjo75, bonsoir Miserette, bonsoir tout le monde, bienvenue à tous. Merci pour les GG. J'espère que vous allez tous bien. Ceci est un message automatique, merci de ne pas y répondre. D'accord. Merci pour les GG, merci beaucoup. J'adore Rayman, moi aussi j'aime beaucoup Rayman, moi depuis... La PS1 et le tout premier Rayman, je suis un fan à donf de Rayman. J'ai toujours beaucoup aimé. Qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà, attendez 2 secondes. C'est bon, j'ai réparé. Salut Crip Québec! Comment vas-tu? Et c'est le drame. Non, ça va, ça va. Ça va, ça va. Ni mini murène, maxi galère. Ok. Vous allez tous bien, super.
Il y a beaucoup de monde d'un coup. Waouh, vous sortez d'où vous tous? Mais bienvenue sur la chaîne. Et du coup, oui, j'aime beaucoup Rayman depuis la PS1. Et vous, comment avez-vous connu Rayman? On passait par là. Bah ouais, je vois ça. Ah putain, j'avais pas vu qu'il y avait des... Ok. On a vu de la lumière, d'accord, ok. Bon, en tout cas, bienvenue à vous tous. Désolé, je bégaye. Du coup, je suis sur Rayman Origins, je pense que vous l'avez vu. Et je tente le 100%. Et merde. Merde. Oui, tu es gentil, il passe par là. Tu connais l'histoire, j'ai connu le jeu sur Switch. Ouais, je connais l'histoire. Le jeu sur Switch, moi, bah ça c'est la version 360 du coup, laquelle je joue. Je l'ai acheté quasiment le jour de sa sortie et à l'époque, je sais plus pourquoi, je l'ai pas faite en fait. Je l'ai commencé sans jamais le finir. Mais sinon, oui, Rayman, je connais depuis la PS1 quoi. C'est gentil de croire en moi. Bah, c'est un peu, j'ai un niveau de jeu un peu variable, hein, je vais pas vous mentir. Il y a eu des niveaux que j'ai passé du premier coup, il y en a d'autres où j'ai galéré. Parfait. J'ai l'air vachement fan. Ouais, en fait, Rayman, comme je disais, vu que j'ai connu sur PS1, c'est vraiment un de... probablement même mon premier jeu auquel j'ai joué, donc... Rayman, c'est... Oh putain, je vais me tuer exprès. Rayman, c'est vraiment une grosse partie de mon enfance, hein. Après, j'ai poursuivi avec Rayman 2, que je trouve le moins bon des Rayman auxquels j'ai joué pour le moment. Ah d'accord, c'est par là, sort les poissons, donc faut pas aller là. J'ai fait Rayman 3 aussi sur PS2, j'avais Rayman Rush sur PS1 à l'époque. J'ai eu Rayman multijoueur qui est en fait Rayman Rush mais avec des combats en plus aussi. J'ai eu pas mal de... Enfin, je les ai quasiment tous fait les Rayman, hein. J'ai aussi eu le triste jeu qui a fait que Rayman a disparu, Rayman contre les lapins crétins. Oui, là je suis sur 360, tout à fait. Qu'est-ce qu'ils attendent pour sortir un nouveau Rayman? Bah, il s'est un peu... C'est un peu mort, hein, j'ai l'impression. En plus, Michel Ancel, il est parti. Donc le papa... Ah, merde. Le papa de Rayman, du coup, pour ceux qui ne le savent pas. Qu'est-ce qui est incroyable que je joue sur 360? Et merde. Ah, j'ai quasi aucun souvenir de jouer de... Oh là là. De... Rayman contre les lapins crétins, le premier. Enfin, je me rappelle quand même des mini-jeux. Vite fait. Alors, je saurais pas dire si c'est malaisant du coup, mais... Tout ce que je sais, c'est que c'est à cause de ça qu'on n'a pas eu de Rayman, quoi. Je suis pas sûr, je crois que je l'avais reçu sur le site Ubisoft gratuitement après avoir acheté quelques jeux. Ah ouais? Il vient de sortir et il est actuellement gratuit sur PC. Il y a un jeu gratuit qui sort sur PC? Des lapins crétins? C'est ça? Ah ouais. Sur quelle plateforme? Oula merde. Sur quelle plateforme, je veux dire, pas PC, mais Steam, Epic. Ubisoft, c'est gratuit sur PC. Ah bon? Ok. Bah, je me renseignerai du coup. C'est toujours bien les jeux gratuits, moi je suis preneur. Ouais, mais Stadia, bon... bon...
disons que Stadia ça marche pas et que j'ai pas envie d'être leur premier client. De quoi qu'il y a un mythe, que Stadia ça marche pas. Moi j'ai vraiment l'impression que ça marche pas. Hein. Il n'y a pas beaucoup de joueurs sur Stadia. Hein. Je me trompe peut-être, mais... Ah ouais mais non, c'est mort, bah oui. Oui bah voilà. C'est clair. Non mais moi même s'il faut passer par Stadia, en vrai j'irai quand même, hein, j'ai dit ça pour la blague mais... Mais ouais j'irai voir du coup, ça m'intrigue. Parce que j'ai même pas entendu... Je sais que sur Switch ils comptaient en ressortir un. Alors je parle pas de Mario et les Lapins Crétins 2 hein. Mais vraiment un jeu Lapin Crétin, un autre party game sur Switch. Mais sur PC, ouais, j'en ai pas entendu parler. Mais merde. Il est sorti sur Switch, il est pas sur PC donc. Ah, il est sur Switch. Il est gratos celui sur Switch. Ah ouais, je regarderai. Peut-être que ça fera, vu que là pour l'instant je suis en programme improvisé, peut-être qu'on le fera cette semaine aussi en live hein, pour le tester du coup. Oui parce que du coup, faut savoir que sur cette chaîne, donc je stream un peu de tout. Généralement j'essaye de faire des jeux rétro le dimanche, avec un jeu détente le dimanche. Et je joue beaucoup, je stream beaucoup via ma PS5, enfin, des jeux PS5 et tout, mais pas que, hein, la preuve. Et ma manette de PS5 m'a lâché, donc je vais en racheter une incessamment sous peu. Mais en attendant, bah, j'improvise un peu. Vas-tu sur PC comme tous les jeux Ubisoft jusqu'au 10? On vient de petitstream.com si personne t'avait dit. Petit stream? Qu'est-ce que c'est? Je connais pas. Alors, ma tête est affichée. Le pire, c'est que je débute un nouveau poste cette nuit. J'espère. Ah, d'accord. Tu étais à l'affiche pendant 10 minutes. Ah, d'accord. Ah, oui, du coup, mais attendez. Je regarde un truc. Hein. Ah, oui, non, bah, je connais pas du tout. Ça monte un stream aléatoire de 5 viewers et moins en français. D'accord. Ok, bah je connais pas du tout. Puis ça a l'air de se faire sans inscription ou demande ou quoi parce que... Pas parce que j'ai pas demandé, mais d'accord. J'irai me renseigner, tiens, sur ce site. Sans inscription, ok. Et bah bienvenue, chers utilisateurs de petitstream.com. Je sais que je vous ai déjà souhaité la bienvenue, mais... Ok, c'est sympa comme initiative, en vrai. Complètement aléatoire, ok. Ah, parce que moi, j'utilise un autre... je le dis pour certains... Peut-être qu'il y a certains streamers parmi vous, sans doute, même. J'utilise un site qui s'appelle Streamrunner. Qui est, bon... discutable, j'ai envie de dire. Où on se met dans des rooms, si jamais je le dis pour les personnes qui ne connaissent pas. Hein. Il y a un temps de passage, on se met dans des rooms et il y a des gens qui nous regardent. Mais souvent, les gens ne viennent pas parler comme vous faites. Juste, ils sont là pour récupérer des points pour eux-mêmes les utiliser pour streamer plus tard, en fait. Merde. Oui, j'ai jamais essayé celui-là. On n'a rien en retour, alors
on est plus... Ouais, bah ouais. C'est ça, en fait. C'est ça, forcément. Mais ouais, sur Streamrunner, du coup, comme je le disais, c'est vraiment... tu regardes, t'as des points de stream et tu les dépenses pour aller dans des rooms. Et donc, du coup, au début, j'y allais, j'essayais d'un peu d'interagir avec les gens ou quoi. Mais vu que j'ai vu que personne le faisait, bah, j'ai dit, allez, je fais comme tout le monde. Hein. C'est peut-être une réaction de connard, hein, mais... Alors, par contre, j'entends une cage dans ce coin-là, depuis tout à l'heure. Sans en savoir où elle est. Moi aussi, j'adore jouer à des jeux rétro. Là, en ce moment, le dimanche... Bah, en ce moment. J'ai commencé hier, hein, du coup. On fait du Discord. Je sais pas si vous connaissez. Et merci beaucoup pour le follow, Crip Québec. Merci beaucoup. Bienvenue chez écouteurs. Ça te dit rien? Discord, c'est un jeu qui est sorti sur PS1 et PC en 95 et c'est un point and click en fait. Et comme bon point and click de l'époque, c'est hardcore sa mère au niveau des énigmes. C'est dur. Hein. Et Martha. Ah, j'y vais un peu comme un sac à caca hein, depuis tout à l'heure. Ouais, non. J'essaye de ramasser des trucs, mais... Oui, Enfin, je le connais. J'arrive pas à ressortir le nom, mais je le connais. Il est disponible sur le Game Pass en remasterisé, d'ailleurs. Je l'ai fait il y a 1000 ans aussi, ce truc-là, mais pas en remasterisé, bien sûr. Je suis curieux de voir ce que ça donne en remasterisé. Ouais, en remaster, tu l'as fait. Moi, je suis curieux de voir ce que ça donnerait en remaster, justement. Comment ça, dans deux... Merde. Dans de drôles de circonstances. Ah mais c'est un enfer ici en fait. J'avais pas pris conscience de tout ça mais... Bah je vais me barrer mais je sais pas si je vais avoir assez de looms. Eh merde. Chiant ces trucs là là. Ah merde. Ah putain. Pardon. Bah c'est que souvent je streamais à minuit et une streameuse finissait live à minuit. Elle me raidait assez souvent là, elle avait eu un méga raid. Et au départ de la chaîne de Raid, ça venait de Mister MV avec ses 10 000... Vache! Rendu à elle, je crois. C'était rendu à 1500. J'avais prévu de faire ce jeu, et même si je me doutais qu'elle allait me raid, probablement, j'ai fait ce jeu peu connu, pareil, rendu à moi. C'était dans les 600. D'accord. Mais c'est cool, certains viewers, ça leur a rappelé de la nostalgie. Ah oui, bah de toute façon, il y a toujours, un, entre guillemets, un public pour tous les jeux, en vrai. Eh ouais, là, c'est... Ah, ça partait de Mister MP, incroyable.
Incroyable. Mais c'est trop bien. Après, de toute façon, c'est un truc que je me suis toujours dit. Je suis sur Twitch, je cherche pas forcément à avoir plein de viewers, être connu, tout ça. Mais si ça arrive, c'est bien, hein. C'est comme j'ai déjà dit, hein, je vais pas faire le mec. Oh non, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Mais une chose qui est sûre, c'est que je ferai toujours les jeux que je veux faire, en fait. Je ferai pas un truc qui marche pour faire un truc qui marche, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mister MVA a aidé un français et le français arrête, mon ami, il se met québécoise et elle m'a aidé. Mais c'est super cool. C'est super cool. Ouais, j'imagine que je dois passer là en fait. Ouais, c'est là. Bon, il s'en va lui. Ah non, il m'attend. Ah, il me suit. Oui. J'aurais vu partir un jeu plus loin en sachant que j'allais sans doute recevoir le raid, mais j'ai décidé de non de jouer à ce que j'avais. Ouais, voilà. Mais en fait, moi, si j'a... Merde. Si j'étais dans cette même situation, c'est pareil, hein. Je ferais le jeu que j'ai prévu de faire et puis basta. Hein. Sincèrement. J'ai pas envie de faire un truc. Ou alors, à la rigueur, si vraiment un jeu qui pourrait marcher plus qu'un autre que j'ai envie de faire ou que je suis en train de faire en ce moment. Peut-être. Peut-être. Mais je me mettrai pas à jouer à un jeu archi connu juste pour ça. J'ai jamais eu d'aussi gros raid, mais oui, je sais comment ça marche, hein. De toute façon, les follow avec les gens qui reviennent pas, hein. Regarde la preuve, là j'étais à 2 viewers avant que vous n'y arriviez, et j'ai 485 followers. Bon, où sont les 483 d'autres, tu vois? Mais bon, je me doute que oui, de toute façon, qu'il y ait... Que ce soit un raid de 20 personnes, 30 personnes, 100 personnes, il y en a beaucoup qui vont follow et jamais revenir. Je me doute bien. Hey! Eh non, non, ça va. On a faire une 25, ok. J'avais même pas regardé le temps juste avant. Bon, je sais pas s'il va vouloir que j'aille jusqu'au bout du niveau entier ou ça va s'arrêter avant. Non, c'est bon, c'est là. Hop, let's go. Oh, mais c'était pour les bébés. C'était pour les bébés. Pour les bébés.
Merci pour le GG. Alors, du coup, j'imagine que ça va être un boss ici. Putain. Ah, je suis dégoûté. Y a pas un moyen de mourir là. Ah, ouais, non, je suis archi dégoûté. Voilà, tue-moi. Allez. Voilà, mieux. Il y a rien au-dessus, donc j'ai pas l'impression. Ok. Quelque chose. Ah! Ah ouais, mais j'ai envie d'y aller, moi! Ah ouais, mais c'est pas drôle! Ah non, c'est pas drôle! C'est pas drôle! Ça va vite. Ouais, dernier loom se ramasser, plus de musique, hein, c'est... On arrête de rigoler. On n'est pas là pour s'amuser. Ah, parfait. Ah, parfait. Non. En fait. Pas vraiment. Mais ça peut devenir parfait. Allez, les os. Je suis très mauvais, hein. Mais, ah ouais, non, oui, oui. Très mauvais. Ah ouais, non. Très mauvais, très mauvais. Effectivement. Mourir là, c'est chaud. Allez, on va y arriver. Putain. Mais je me suis dit que je pouvais y aller tranquille, il remonte tout seul, j'allais pas me le prendre. Bon allez, je me concentre cette fois. Ok. Oui, je viens de le dire. J'en ai laissé un, mais je vais pas être trop gourmand non plus. Bon, j'espère que j'aurai quand même assez de looms, ça m'étonnerait.
expérience. La prochaine c'est la bonne, je l'espère. Je l'espère. On va voir ça. Après, je vais peut-être devoir recommencer si j'ai pas assez de looms, les enfants. Hein. Ça, c'est... Ah non, ça ne se tue pas. Il va venir de là. Et j'y vais comme un con tout seul, c'est ça. C'est bon. Non! Pas bon. Normalement, il y a un checkpoint là, j'imagine. Oui, j'imagine bien. Ok. Bon, au moins, le passage, il est derrière nous. Ça fait pitié. Allez. Bon, elle est où ta verrue, là? Eh, merde. Je viens de ce boss petit, c'était une vraie... Ah ouais? Moi j'ai pas été jusque là étant plus jeune du coup. Bah en étant petit même, hein, parce que le jeu j'ai regardé la dernière fois, il est sorti déjà il y a 10 ans je crois. Ça m'avait même choqué, je me suis dit putain. Qu'est-ce qu'on se fait vieux? Ah! Ah! Je vais peut-être le refaire une fois. Je prends rien d'avance. Mais non. Mais c'est que c'est un petit coquin celui-là, hein. Bah oui. Comme ça, il a eu le temps de m'envoyer plein de merde. Allez. Pitié, là. Mais il y a l'autre... Bah oui, mais non. Allez, barrez-vous. Voilà. Dans tous les jeux vidéo du monde, je déteste les niveaux aquatiques. À part peut-être Donkey Kong Country. Eh merde. Bien niveau aquatique dans ce jeu, mais sinon. Ça et les niveaux de glace. Ou pas forcément niveau de glace, mais les niveaux qui glissent. Ça c'est toujours une joie. Ah putain. Ah les niveaux aquatiques c'est non, non. Pas bien. Il fallait arrêter ça dès Sonic hein, en fait. Ah putain. Mais allez, sors ta verrue. Mais en plus, je vais en plein dedans, hein. C'est vrai qu'il est chiant ce boss, effectivement. Je comprends pourquoi c'était une horreur pour toi quand tu étais plus jeune. C'est, ça y est, j'ai compris. J'avais pas compris avant, je me disais, oh. Un boss, quoi. Eh ouais, non. Non, c'est... affreux.
Aïe 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 aïe. Ça en devient presque déprimant, hein. Allez. Faut simplement ne faire qu'un avec la verrue. Ouais, mais c'est chiant, j'arrive pas à me... Je cherche trop à être près de son... De la fin, là, de sa queue, pour exploser le truc rose, donc... Ouais, peut-être que je prenne un peu plus de temps, finalement. Ah ouais, non mais putain, il est vraiment beaucoup trop chiant. Pourtant je speed, hein, j'essaye réellement de l'esquiver, mais... Non. C'est un grand nom. On va y arriver. Oui, ça va le faire. Rien n'est infaisable. Ça peut prendre du temps, mais rien n'est infaisable quand même. J'espère juste pas qu'il... Mais je pense que si, hein. Je vais avoir besoin d'un certain nombre de looms. Mais j'espère que j'aurai assez. Parce que je pense pas que le niveau va se terminer après le boss. Mais lâche mon fion. Mais en plus c'est que il a une portée de coup entre guillemets, sa mâchoire elle est large. C'est vachement dur à esquiver, je trouve, hein. Ok. Faut dire que je suis pas très doué non plus. Mais ouais, mais voilà, j'essaye d'aller à droite, s'il arrive à me choper, j'essaye d'aller en bas, il arrive à me choper. J'arrive pas à comprendre où partir du coup. Parce que j'ai établi un certain pattern là, mais... Ouais, j'aurais quand même réussi à le toucher. Hein. Eh bien, il vient des. Voilà. Donc là, si je repars à droite, si on le met. Ah, à droite, c'est bien. Ah, c'est même très bien à droite. Ok. Ça va. J'ai le truc. La bande, je sais pas, parce que j'ai jamais fait. D'accord, il faut le prendre de face. Ok. Bon. Ça va, maintenant je sais. Et là, je suis sûr qu'on va réussir du premier coup. Hop.
Hop. Et voilà. Ouais, je l'avais dit, hein. Alors, combien il faut de looms? Parce que si c'est ça. Là, c'est un peu la merde, hein. Oh, yeah. Oh, yeah. Tranquille. Merci pour les GG. On est bon là. Du coup, on va aller... Ouais, je vais peut-être le finir ce soir, hein. Du coup, je pensais pas. On va voir. Je sais pas. On va voir. Pour moi, il me restait encore un ou deux lives. Peut-être que je l'arrêterai un peu plus tôt, genre au bout de 2 heures de live, donc dans 40 minutes. Ça dépendra de combien de niveaux il reste. Puis on passera à autre chose. Comme ça, on finira demain, probablement, Rayman Origins. Mais Hocus Pocus, Polocus, c'était le gardien des masques dans Rayman 2, il me semble d'ailleurs. Je viens de réaliser ça. Enfin, le gardien des masques, en tout cas, c'était à lui qu'il fallait lui ramener les masques. Non, non, on ne va pas là-dedans, d'accord. Bah, je vais y aller quand même. Y'a quoi là? Y'a rien. Ah, y'a la mort. Bon. Bah, y'a rien à tuer, y'a rien à ramasser là pour le moment. C'est incroyable cette histoire. Ouais, voilà. Merde, tu pourrais... Ouais, j'aurais dû faire ça, c'est pas grave. Non, je... non, quel con. Mosquito. Mosquito, il a des bons niveaux, mais... Enfin, des bons niveaux. Des niveaux simples, mais il en a des... pas simples aussi. Très variables aussi, ces niveaux à Mosquito. Ah merde, ah ouais, oui, effectivement, bravo. Oula, 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 oula. Bah, j'ai loupé plein de looms potentiels, hein, mais pour l'instant, on essaie de survivre. Faudra peut-être recommencer, hein. Bah comme d'hab, hein. Je sais pas. Eh merde. Oh non. J'espère qu'il y a eu un checkpoint quelque part. Oui, il y en a eu un.
ça j'ai pas réussi. Ok. Eh merde, bah moi j'ai vu des bonus, j'étais gourmand. D'accord, ok. J'en ai loupé un, c'est dommage. Quel bordel. Ah putain. Bah je pense que j'aurai pas assez de looms de toute façon, il va falloir que je recommence. À un moment donné. Oui c'est vrai que c'est pas au-dessus qu'il faut passer. Ah, j'en ai vraiment pas eu un là. Ah, j'en ai pas profité du tout de mon bonus. Fait chier. Ah! Allez, vas-y, mon grand. Hop. Voilà. Pas être gourmand. Ouais. Wow. Ok. Je loupe plein de petites mouches qui pourraient me donner des looms, mais. Il va 100%, il me faut 350. 100%. Et du coup, je vais devoir recommencer. C'est sûr. C'est sûr. Tourne, hein. Oh pardon, pardon, je savais... Non mais je savais pas que vous alliez... Non, arrêtez, c'est bon. Allez! Je vois que Mosquito il est déter à niquer des mers en plus. Va le faire. Ça ne peut que bien se passer.
Ah putain. Ah là c'est pareil hein, je fais pas les choses les plus opti hein. Mais il y a trop à l'écran que je peux pas tout choper. Oh là 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 là. 350, bah j'espère. J'espère que ça va le faire, mais il y en a beaucoup hein, à l'écran. J'essaye d'optimiser les choses, mais ouais. Ah ça c'est très mal vu. Ah j'ai voulu essayer de l'avoir lui, mais ah le truc c'est que je suis vachement gourmand aussi. Je sais que j'en ai besoin. Hein. Ah merde. Ah j'ai. C'est de pire en pire. On va y arriver. Mais c'est de pire en pire. Ouais. Ah, je choisis les pires moments. Ah non. Je choisis vraiment les pires moments. Je suis. C'est pas ouf là, ce que je fais. Ah putain, mais je suis concentré sur les espèces de gros moustiques rouges et pas sur les nuages, c'est vraiment beaucoup de choses à l'écran. Hein. Je me répète, mais... Je pense que j'aurais pu faire mieux, sincèrement. Ok. Ah, il y en a un ou deux qui me filent dans les doigts là à chaque fois, c'est... J'ai l'impression que ça pue un peu la merde. Hein. Ouais, non, ça. Je le sens pas, hein, les 350 là. Hein.
Non, je... Merde, j'y crois pas une seule seconde. Hein. Ah non, 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 ça, j'en ai même 10 de moins. Donc non. Le truc bleu qui lance des lasers, tu peux les casser ou pas? Si on pense à la même chose, non, j'ai essayé. Ça rebondit mes lasers dessus, puis... Mes lasers, ils rebondissent dessus, et puis... Mais je... Bon, faut que j'arrête d'être con, Samy. Et ça va toucher d'autres ennemis en rebondissant, tu vois, mais... Mais non, ça casse pas. Peut-être quelque chose dans ce nuage noir à péter d'ailleurs. Parce qu'il y a quand même un truc qui t'empêche techniquement de passer et tout. Enfin, il y a un éclair sur le chemin. Je me dis que c'est peut-être pas là pour rien. Évidemment. Là, on dit rien. Ah. Ah, c'est vraiment pas fou, hein. Ah non. Techniquement, je suis sûr que c'est faisable de sortir de cette phase-là avec au moins 150 looms. Alors, je dis pas que je vais le faire, mais c'est ce que j'essaye de viser, quoi, en fait. Mon cœur, je le perds, mais alors comme une merde à chaque fois. Ridicule.
je fais pas gaffe aux boules de feu, aux éclairs, aux... C'est trop, il y a trop. C'est une technique que j'utilise pas assez, ça. Aspirer les bombes pour. Merde, pour les faire péter sur les connards. Ah, c'était une très mauvaise idée. Mais je suis nul, hein. Je suis vraiment nul, hein. Je me répète. Mais là, je commence à plus être concentré, rien. C'est pas glorieux. Alors, ça pète pas. Mais il a aspiré tout sauf ce que je... Je vais essayer de le réussir, mais je pense que ce sera quand même le dernier niveau de ce soir. Hein. On passera à autre chose. C'est con, j'aurais pu récupérer plus de loom si j'avais gardé mon cœur et que j'avais pris le deuxième, mais... Le jeu, il veut pas. Ouais, non. Il veut vraiment pas le jeu. Ah non! Bon, alors nouveau palier, du coup 122. C'est à peu près le nombre que j'ai à chaque fois. Hein. Plus ou moins. J'arrive pas à faire mieux. Et merde. Ouais, le même nombre que tout à l'heure, ouais. J'étais pas sûr que ce soit exactement le même nombre, tu vois. Mais... Je sais que je suis toujours dans ces eaux-là, quoi. Ah putain, Ah, je veux trop gratter, je veux trop grid.
Là j'aurais peut-être plus un peu plus hydraté. Ah là les 200 parce que là je connais cet endroit hein Bah d'habitude eux ils m'attendent et puis là ils ont dit ah non on est pressé va te faire foutre. Drôle d'idée. Oh j'ai rien eu. Ça fait chier. J'essaye de l'avoir lui aussi mais. Je l'ai peut-être vu. Je sais pas. Oh, 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 c'est mauvais, c'est mauvais. Non, ces trucs-là, je peux pas les avoir, hein, j'ai l'impression. Oh, jamais je les ai, hein. Non, non, non. Je les ai pas. Bah je vais réessayer une dernière fois mais sinon tant pis je réessayerai demain. On prendra ça demain. J'ai voulu prêter parce que je m'en suis souvenu au dernier moment. Ah ouais? Bah je vais essayer d'insister plus alors parce que... Oh, c'est peut-être moi hein. Moi je l'ai pas vu se casser mais... On va refaire un test. Ah mais... Ici c'est le bordel. J'aime vraiment pas ce... C'est le premier passage et c'est limite celui que je trouve le plus difficile en vrai. Alors que le dernier avec les missiles il est censé être bien plus hardcore j'imagine. Mais ici c'est vraiment le bordel.
dommage, j'étais pas. J'étais pas dégueu, mais. Pas capitalisé sur le cœur. Un peu plus que tout à l'heure. Mais on peut encore faire mieux en vrai hein, sur le passage sur ce passage là. Mais... Ah, à chaque fois je fais cette connerie là. Là je peux se l'épée par contre, mais je l'ai fait. Oh bien. Non. Salut Clochette, comment tu vas? Ça va. Je viens de regarder le 100% d'un mec sur YouTube, il était à 170 à peu près au moment au dernier checkpoint. Et il a eu les 350 de justesse, voilà, c'est un repère. Ah merde. Moi ça va. Ah effectivement, s'il a 100... s'il les a de justesse après en plus, le mec. Bon, de toute façon on verra. C'est mauvais ce que je fais. Oh là là là. Putain, oh, j'ai vraiment une bite en vrai. Oh là là. On va passer à autre chose après, hein. Une merde, hein. Je fais même plus gaffe au nuage en fait. Je suis en mode ça n'existe plus, c'est horrible. J'ai oublié qu'il y avait eux.
Ouais, non. C'est bon. C'est dur, hein. Vraiment, c'est dur. Ça fait 2-3 fois que je les oublie. Ouais. En fait, t'as un espèce de vent qui t'emmène vers la droite en plus, enfin le scrolling. Du moins. C'est. Ah, c'est terrible. Ah putain. Eh putain. C'est vraiment hâte de tout avoir. Ouais, ouais, non mais... j'imagine, hein. Je... Franchement, j'imagine. Après, tu sais, t'as des niveaux où t'as un peu plus de looms que prévu, comme ça. Tu sais, t'es pas obligé de d'essayer de tout avoir non plus, quoi. Ah, c'est même ça dans la majorité des niveaux, voire tous. Ah, putain. Mais là, il faut tout avoir, il faut tout esquiver, c'est... Ouais, c'est pas un jeu de mauviette, quoi. Terrible ce que je fais. Mais non, bah non. Ah, je l'ai tué et puis pour rien, parce que j'ai même pas eu le temps de ramasser ces trucs et je me suis fait tuer à cause de ça. C'était bien. Hein. Bon jeu. Vraiment bien. Vraiment bien. Bon. Du coup, on va s'arrêter là pour Eman Origins. Je vais faire comme d'habitude. Je vais couper le live et je vais redémarrer un. Je sais pas encore sur quoi. Peut-être que vous avez une préférence. Si vous souhaitez revenir. J'hésite entre Disney Dreamlight Valley. Parce que c'est vraiment le jeu où on est chill, on fait quasiment rien à part cliquer. Ou Evil Genius, qui est un jeu de chill aussi d'ailleurs, mais peut-être un chouïa moins. Si vous avez une préférence, n'hésitez pas à vous manifester maintenant. Et on fera ça. Parce que j'avoue que je sais pas quoi faire pour le moment. J'hésite vraiment entre les deux. Et puis vous aurez la surprise. Bon, moi je dois me coucher, j'ai le réveil hyper tôt demain. Bonne soirée tout le monde, à une prochaine pour les 350 peut-être, je l'espère. Et merci beaucoup pour le follow Better Call Gamer, merci beaucoup, bienvenue chez les écouteurs. Et des gros bisous à toi et ouais, peut-être les 350. Je pense retenter demain si ça t'intéresse vers 20h30. Mais en tout cas, bonne soirée à toi et à la prochaine, j'espère. La surprise, ça me va. Ok, bon, et ben. On verra bien. Je vais voir.
Je vais me décider pendant que je redémarre tout. Du coup, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine, à tout de suite pour certains. Et surtout, ne vous amusez plus.